Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un petit vlog. Je vous emmène passer la journée avec moi. Donc je commence par ouvrir les volets, puis je me sers un bon jus d'ananas pour bien démarrer la journée pleine de vitamines avec ce merveilleux cookie qui était délicieux de chez Marie Blachère pour bien commencer la journée. Ensuite, je prends mes compléments alimentaires, donc là c'est des brûles graisses de chez Oh My Bien-être. Et je prends aussi une petite vitamine de It Really Works Vitamins. Et je prends mon petit déj tout simplement, là c'était le samedi matin, devant la villa des cœurs brisés. Oui, je sais, vous pouvez me juger sans problème, mais j'adore cette émission. Je vous emmène avec moi et mon chéri à Montpellier, on va retrouver ma sœur pour la journée. Aujourd'hui on est samedi et on va faire du coup le marché du lait, ce que je ne connais absolument pas du coup. Bah, tout simplement je me suis dit que c'est une bonne occasion pour vous amener avec moi puisqu'apparemment il y a une brocante, il y a aussi un vide dressing, donc ça peut être assez chouette et j'avais envie tout simplement de partager ça avec vous. Donc, j'ai opté pour une tenue totalement confortable pour aujourd'hui, comme vous le voyez, une petite jupe, des collants, des Converse, excusez le bazar derrière moi aussi, et un sweat ultra large, mais au moins je serai à l'aise pour pouvoir marcher tout simplement une bonne partie de la journée et puis pour la voiture aussi puisqu'on a quand même 1h30 de route je crois. J'ai rajouté un petit bob et prête à partir. Donc là on avait déjà fait la route et on venait tout juste d'arriver sur les bords du Lez, au marché du Lez tout simplement. On marchait, on venait tout juste de garer la voiture sur le parking et je vous laisse découvrir du coup l'endroit qui était vraiment super mignon. Regarde-moi ça, le soir, comme ça doit être trop mignon. C'est magnifique. Ah, et ça, c'est rien de, du marché du lait, mais ça, c'est ok. Oh, il y a un monde de jardin. Mais je suis grotesque. Ah, mais j'adore, c'est trop mignon. Donc là, on arrive tout simplement sur la brocante du marché du lait et je vous emmène tout simplement par petites bribes. Ici, on était aux Halles du Lez. Il y avait plusieurs petits food trucks à l'extérieur et nous, on a choisi déjà de prendre un cookie qui sera notre dessert plus tard dans la journée finalement. Et puis, à ce moment-là, on est rentré dans une brocante gigantesque. On y a passé un bon moment. Moi, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore chiner, j'adore tout ce qui est vintage. Donc, j'étais aux anges. J'ai appris un mot aussi, c'est pour ces pots-là, ce sont des dames Jeanne, je connaissais absolument pas. Et puis là, ma sœur me faisait défiler toutes les petites affiches Disney, de dessins animés Disney, c'était trop trop chou. D'ailleurs, il n'y avait pas que Disney, il y avait aussi des films, des classiques. C'était gigantesque, ce corner-là, il était trop trop bien, il y avait des affiches des plus grands films du cinéma français et international, c'était vraiment génial. Le midi, on a mangé un énorme burger d'un food truck. Moi, c'était au poulet avec des petites pommes de terre comme ça, trop trop bon. Puis ensuite, on s'est dirigé vers la plage tout simplement. On s'est rendu à la Grande Motte pour pouvoir continuer de passer un petit peu de temps avec ma petite sœur puisque du coup, on était tous les deux avec mon chéri pour la rejoindre. Et on voulait tout simplement passer un peu plus de temps avec elle ce jour-là pour pouvoir profiter au maximum. Il faisait beau, il y avait du vent, mais il faisait quand même beau. Et nous voilà arrivés à la plage. Ça faisait franchement une éternité que j'étais pas allée à la plage au soleil comme ça, sur le sable. C'était un bonheur. Et on a pris une crêpe au Nutella avec ma soeur parce qu'on est très très gourmande. Et puis ensuite on s'est tout simplement baladé sur le sable. On a bien bien rigolé. C'était vraiment super. Ça m'a fait du bien de me retrouver un petit peu en famille comme ça avec mes proches. C'était vraiment super agréable. Ça faisait longtemps. Je vous laisse admirer la mer majestueuse, c'était vraiment splendide.
Et nous voilà sur le chemin du retour pour rentrer à la maison. Donc c'est tout pour ce petit vlog, j'espère que ça vous aura plu, que je vous emmène comme ça avec moi la journée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ainsi qu'à me laisser un petit commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao !